Les plantes composent un décor familier que nous regardons peu. Herbes folles ou fleurs sublimes, même si elles attirent quelquefois notre attention, nous les connaissons mal, souvent pas du tout. Nous sommes loin d'imaginer les qualités extraordinaires que les plantes possèdent. Au moment où nos sociétés s'interrogent sur leur rapport à la biodiversité, levons donc ici une partie du secret des plantes. Parcourons le monde et découvrons quels partenaires elles deviennent dans nos vies d'aujourd'hui. Mettons-nous en marche et regardons au bord du chemin. Nous y trouverons des plantes qui racontent si bien ce que nous sommes en ce début du XXIe siècle. Alors, l'ortie, moi j'ai toujours dit, s'il fallait laisser une seule plante sur Terre, pour moi ce serait l'ortie. L'ortie est certainement une plante importante dans notre civilisation. C'est une plante qui suit l'homme. C'est une plante qui nous est très proche. Les autorisations de mise sur le marché ont été interdites une première fois en 2002, puis en 2006, avec effectivement une pression des pouvoirs publics assez forte qui allait même jusqu'à interdire la transmission des savoirs liés à cette plante et à d'autres plantes sauvages. Donc c'est vrai qu'elle est devenue l'emblème, le porte-drapeau, le porte-parole effectivement de ces combats pour la conservation de la mémoire agricole, de tout ce patrimoine commun qu'on a reçu de nos anciens et qu'on essaie nous d'améliorer pour pouvoir travailler d'une manière qui nous convient et qui soit une véritable agriculture durable. L'étincelle qui embrase les jardins, c'est une loi de 2006, dite d'orientation agricole, et qui a pour objectif d'interdire la promotion et la vente de produits phytopharmaceutiques qui ne bénéficient pas d'autorisation de mise sur le marché. La prohibition, le bootleg, le whisky se faisait à la maison dans l'Oklahoma. Oui. Mais ne plaisantez pas, je pense que bientôt on va devoir faire ça dans les mêmes conditions, se cacher pour faire son purin d'ortie. Vous filtrez et vous versez dans un arrosoir et vous arrosez vos plantes avec. Votre produit est prêt à l'emploi. Alors comme il l'a été dit sur cette antenne, il me sera donc interdit le 1er juillet de vanter les qualités d'un produit, je cite, qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Mais rassurez-vous. On frôle la correctionnelle ? Non, pratiquement. 75 000 euros d'amende, 2 ans d'emprisonnement. Ça ne plaisante pas. Aujourd'hui, j'ai parfaitement le droit, sur les antennes de France Inter, de vanter les produits chimiques. Je peux vous parler de tous ces désherbants totaux qui polluent la nappe phréatique. J'ai le droit de vous parler de ces insecticides extrêmement toxiques à l'emploi. Vous rendez-vous compte que j'ai le droit de recommander à l'utilisation des produits qui doivent être faits en l'absence de vent, avec une combinaison plastique, des lunettes, des masques, des gants, hors de la portée des enfants, où il est préconisé de rincer abondamment le matériel ensuite, de ne pas consommer le fruit dans les 15 jours qui suivent, etc., etc. Il est même indiqué que le flacon ne doit pas être jeté, comment dire, dans les ordures, mais recyclé pour éviter qu'il ne pollue le sol. Et on ne peut pas parler du purin d'ortie. À 20 degrés, patientez en moyenne une dizaine de jours. Vous remuez tous les deux jours. S'il fallait laisser une seule plante sur Terre, pour moi, ce serait l'ortie. À Londres, au prestigieux jardin royal de Kew Garden, que le professeur Monique Simmons trouve le sujet suffisamment sérieux pour nous ouvrir les portes de son laboratoire. Elle lance pour nous une première série d'analyses afin de préciser les composants de l'ortie. Quand vous analysez les composants d'une plante comme ceux de l'ortie, vous distinguez facilement la chlorophylle du fait de sa coloration. Mais il y a quantité d'autres substances qui sont aussi extraites et qui constituent toute sa valeur nutritive pour le sol. C'est pourquoi elle est parfois incorporée au niveau du sol comme fertilisant. On voit aussi qu'elle contient du fer et d'autres minéraux. Par le passé, elle était utilisée comme aliment du fait de sa richesse en protéines. C'était la source en protéines dans certains régimes alimentaires. De la saison, de la température extérieure. Lorsque nous croisons les analyses du Kew Garden avec celles effectuées à la demande de Bernard Bertrand, certes, nous avons confirmation de sa très forte teneur en chlorophylle, mais surtout de sa grande valeur nutritive.
L'ortie est un apport considérable en vitamine C, en calcium, en phosphore, en magnésium. Bref, l'ortie est un aliment complet très énergétique. Aucune trace de quelque substance dangereuse que ce soit. Son fameux cocktail urticant, au demeurant non toxique, s'inactive au broyage et à la dilution. Enfin, on veut bien reconnaître que l'ortie et son purin sont peu préoccupants pour notre sécurité. Mais on se cache derrière les mots. Le purin d'ortie, peu préoccupant. Et les pesticides classiques, préoccupants comment? Très préoccupants? Moyennement préoccupants? Au beau milieu d'un champ, lorsqu'on se penche avec des yeux d'expert, les périphrases de la loi paraissent violemment décalées par rapport à la gravité de la situation. Claude et Lydia Bourguignon sont tous deux biologistes des sols. Fameux et redoutés pour leur prise de position peu orthodoxe, ils ont préféré quitter l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, tant ils trouvaient insupportable ce qui était prôné pour le traitement chimique des sols. C'est beau, hein? Aujourd'hui, experts indépendants, ils aident, partout en Europe, les agriculteurs à sauver leurs sols, quand c'est encore possible. On utilise des produits, on appelle ça les pesticides, hein, ce qui tue ce que nous avons décidé être des pestes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas considéré par nous comme gentil, puisque nous avons une vision totalement infantile de cow-boy de la nature. Hein. Il y a les gentils, puis il y a les méchants. Hein. Bon, le gros étant des méchants quand même, il y a quelques gentils comme la coccinelle qui ont droit d'être mis dans les gentils, mais surtout nous voyons la nature comme un monde absolument terrifiant. Hein. Donc il faut tuer tous les méchants, donc on a un terme qui s'appelle les pesticides, donc qui permettent de tuer les insectes, de tuer les champignons. Alors on ne distingue pas ce qu'on tue, hein. On tue tout. Hein. Et ça, on ne pose pas de questions là-dessus. Ça, on a le droit d'y prendre. Par contre, vous osez mettre du purin d'ortie et c'est tout un drame qui s'installe. C'est du n'importe quoi, ça. Dans un sol compacté comme ça, en fait, il y a une très forte densité. C'est très compact. Vous n'avez quasiment pas d'oxygène, puisque c'est comme de la pierre. Donc, les racines et la faune, n'ayant pas d'oxygène, vont mourir. Un sol comme ça, c'est le cercle vicieux pour l'agriculteur. Il rentre dans une spirale infernale, c'est qu'il va être obligé de fertiliser. La fertilisation va affaiblir et provoquera plus de maladies. Ces plus de maladies, vous allez remettre des pesticides. Ces pesticides vont encore plus tuer cette faune, vont encore plus compacter. Et voilà. Et pour arriver, dans certains cas, les gens qui ont beaucoup utilisé ces produits, des sols qui sont morts. C'est-à-dire on ne peut plus rien faire dessus. Il faut d'abord remettre de la vie dans nos sols. Et ça ne va pas se faire en claquant des doigts. On a ruiné nos sols, on a décapitalisé depuis 50 ans. On va remettre 50 ans pour capitaliser. Il faut que les choses évoluent. On avait besoin, je crois, de passer... Enfin, l'humanité a besoin de détruire cette planète pour ensuite la respecter. Ça va être lent, hein, mais c'est ça, la situation de demain, ce sera le respect de cette planète. Mais c'est pas... On estime qu'il y a 2% des gens, hein, qui ont pris conscience qu'il faut respecter la planète. C'est encore 98% qui s'en fichent complètement. Oui, hein. Mais c'est ces 2% qui peuvent faire basculer la civilisation. Certains déjà mettent en œuvre ce basculement. Malgré les réticences ou même les freins des pouvoirs publics, ils ont choisi de cultiver autrement. C'est le cas de François de Conti, viticulteur à Ténac. Alors, en lutte traditionnelle sur la vigne, en gros, chaque viticulteur met 14 traitements chimiques. Bon, bien nous, on n'en met aucun. On ne fait que des traitements à partir de produits naturels. Ce qu'on veut démontrer, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les produits chimiques à outrance. On peut s'en passer. Ça marche, ça fonctionne. La preuve, elle est là. Il suffit de venir voir. Alors, bien évidemment, c'est un peu comme l'être humain. Si jamais il y avait vraiment une grosse attaque de maladie, si jamais vraiment on avait une déficience chronique qui s'installait, bien évidemment qu'on ferait appel à l'allopathie, bien évidemment qu'on utiliserait un produit phytosanitaire normal. Mais comme la vigne n'est pas habituée à ce produit phytosanitaire, on pourrait l'utiliser quasiment à demi-dose et on aurait une efficacité tout aussi visible que les gens qui travaillent à haute dose. Voilà, regardez, une feuille qui a zéro défaut. Regardez cette feuille, elle est magnifique, elle est splendide. C'est une jeune feuille. Il n'y a aucune maladie apparente, ni devant, ni derrière. Uniquement des macérations de plantes, uniquement des produits naturels, aucun traitement chimique. Moi, je considère que je suis normal. C'est ceux qui utilisent des produits chimiques qui ne sont pas normaux, là, pour le coup. Donc,
qu'elles n'ont pas eu le temps de se faire parasiter. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu le temps qu'il y ait des animaux qui viennent pile poil dessus faire leurs besoins. Elles viennent de sortir. Puis c'est les têtes. Là, c'est en hauteur. Vous voyez ? Là, je ne connais pas un seul chien qui est capable d'aller mettre ses fesses pour faire ses selles dessus. Donc, j'ai aucun problème à cueillir les têtes d'ortie comme ça. Il faut savoir que l'ortie, quand on la caresse comme ça, elle ne pique pas. Ensuite, dans la nature, on peut faire la petite boulette. On casse tous les poils, tac, 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 tac. Et vu que c'était en hauteur, on met dans la bouche et là, ça pique plus. Et on se régale. C'est très, très, très agréable. Vraiment, le goût est très, très bon. Et c'est aussi la bonne saison pour faire des remèdes avec l'ortie. On prend les têtes, vous pouvez les faire soit macérer dans l'alcool, comme on va faire tout à l'heure, soit les faire sécher et faire des tisanes, des infusions. L'ortie a des propriétés de par sa racine aussi, pour la prostate, et de par ses feuilles. Les propriétés des feuilles sont très nombreuses, hein, mais pour en citer quelques-unes, elles vont être anti-allergiques, elles vont être anti-inflammatoires, elles vont être intéressantes comme reminéralisantes. Elles contiennent quasiment tous les minéraux. Elles contiennent beaucoup de silice, notamment, beaucoup de fer, donc on la conseille aussi pour les problèmes d'anémie. Parce qu'elle contient à la fois beaucoup de fer et de la vitamine C. Et la vitamine C va aider à l'assimilation du fer, donc c'est top. Et beaucoup de chlorophylle, qui aide aussi dans les problèmes d'anémie. Donc la chlorophylle va aider au transport de l'oxygène dans les hémoglobines, grâce aux hémoglobines, et va aussi aider le corps à se détoxifier. Elle est très nutritive aussi. Elle contient beaucoup de protéines. C'est connu, l'ortie, pour ses protéines. Elle contient 40% de protéines de son poids sec. C'est-à-dire, vous faites sécher de l'ortie, vous avez 100 grammes d'ortie séchée, et 40 grammes de ces 100 grammes, ça va être de la protéine équilibrée. Et les protéines, c'est des acides aminés, hein, c'est des chaînes d'acides aminés. Et dans l'ortie, on a les 8 acides aminés essentiels. Et puis, c'est aussi une plante qu'on utilise pour drainer les reins, pour éliminer par les reins. Donc là, encore une fois, c'est une bonne plante pour les changements de saison. Elle est là quand il faut, un changement de saison. On termine l'hiver, on arrive au printemps, c'est le moment de faire une petite cure d'ortie qui va nous aider à éliminer un petit peu les accumulations de l'hiver. Les cristaux, les acides, les polluants, les pollutions atmosphériques, les pollutions alimentaires, les pollutions fabriquées par notre corps qui n'a pas beaucoup bougé pendant l'hiver, etc. Et c'est une plante qui va être tonique générale aussi, un peu comme j'ai parlé pour le chêne. Ça fait partie des plantes aussi qui travaillent un peu sur la globalité de notre organisme, qu'on pourrait appeler des adaptogènes, c'est-à-dire qui vont nous aider à nous adapter un petit peu au stress de la vie, au manque de sommeil, aux agressions, aux pollutions. C'est une plante qui équilibre, quoi. Qui équilibre et qui donne de l'énergie.